Nice, de nationalité française, classé numéro 85, champion de France junior en 2008, médaille de bronze en 2018 au championnat de France et médaille de bronze en mixte 2022, je vous demande d'accueillir Jérémy Petiot. Le deuxième joueur de l'équipe de Nice, il est classé numéro 137, il a 22 ans. Le local, c'est le local de l'étape au style offensif et créatif. Merci d'applaudir Corentin Mazot. Ah, il y a du supporter. Hein. On continue avec le troisième joueur, né en 2004, actuellement classé numéro 149, il a 18 ans. Médaille de bronze au championnat d'Europe cadet. Vice-champion d'Europe par équipe en junior et médaille de bronze au championnat de France en junior, je vous demande d'applaudir Alexis Kouaïchi. Et enfin, le quatrième de l'équipe, actuellement classé 219, 21 ans, il fait partie de l'équipe de France junior, médaillé de bronze au championnat de France junior et cadet. Merci d'accueillir Thibaut Baillet. Alors là maintenant on va passer à la présentation du joueur de l'Oneur Tennis de table. 26 ans, droitier, avec un style offensif, actuellement deuxième joueur belge, classé à la 250e place mondiale. Il a réalisé cet été un quart de finale en double messieurs au championnat d'Europe avec notre ancien joueur Martin Allegro. En simple, il s'est illustré jusqu'en 32e de finale, il rentre tout juste de championnat du monde par équipe. Je vous demande d'accueillir Florent Langlais. Alors le petit jeune de l'équipe, il est connu du public puisque c'est sa deuxième saison chez nous. Malheureusement ce soir, il ne jouera pas car il est blessé. C'est Louis Lafineur, on le demande de l'applaudir. Le troisième joueur de la soirée, à nouveau également de nationalité suédoise, il a 26 ans. Joueur possédant un très grand revers et des services dévastateurs. Il s'appelle Elias Radefur. Pour remplacer Louis, nous aurons notre traditionnel coach Yann. Il a deux fois le maillot pour jouer ce soir le match. Alors on va aussi avoir un petit mot pour l'autre coach qui est Jérôme Bao, qui n'est pas là ce soir pour cause de congé paternité. Nous lui souhaitons toutes notre félicitations et on lui fait un petit coucou parce qu'on sait qu'il nous regarde sur le live. L'arbitrage sera assuré par Dominique Boucher et assisté de Patrice Bonito. Alors on remercie également nos ramasseurs de balles. J'ai nommé Léopold, Mathis, vous pouvez vous avancer, Flavien, Maxence, Mathéo, Lancelot et Timéo.